Toujours en politique, eh bien, les questions d'organisation des élections sénatoriales ont aussi été abordées au cours des échanges entre Bonaventure Zigou Mafumbi, président du Front d'égalité républicain du département de la Duini à Mwabi, et le membre du comité permanent du bureau politique PDG de la province de la Nyanga, Edgar Anissé Mbumbu Miyako. Le compte-rendu avec Yolande Ekwara et Gérard Ifunji. À quelques jours des élections sénatoriales, le ministre d'État à la communication Edgar Anissé Mbumbu Miyako, en sa qualité de membre du comité permanent du bureau politique PDG dans la province de l'Anyanga, a échangé avec le leader politique de l'opposition, Bonaventure Ndingou Mafumbi, du Front d'égalité républicain. Une rencontre au cours de laquelle l'organisation pratique des élections sénatoriales 2021 a constitué la trame des échanges. Je pense que la démarche qui est celle du membre du comité permanent, le ministre d'État Mbumbu Miyako, mais c'est une démarche responsable et cohérente qui est à féliciter. Pour le leader politique de l'opposition, la mobilisation de ses troupes passe par le respect des valeurs républicaines d'unité et de cohésion sociale. Ben, le mot d'ordre, c'est de se mobiliser dans la responsabilité, éviter toute incompréhension qui risque de diviser notre pays. J'appelle donc à la responsabilité de chacun d'entre nous pendant ces élections. Une rencontre qui a permis au leader politique PDG de la Nyanga, Edgar Anissé Mbumbu Miyako, de réaffirmer l'importance de l'implication de tous les leaders politiques dans la gestion de la cité. Ces élections des sénateurs sont fixées au 30 janvier 2021 pour le premier tour et au 6 février de la même année pour le second tour.